Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est comment je fais le choukouya à la moutarde et à la mayonnaise. Donc pour en savoir plus, on y va. Pour débuter la recette, ici j'ai pris la viande de mouton. Vous pouvez opter soit pour la viande de mouton, la viande de bœuf, la viande de chèvre, tout va dépendre de vous. Dans une cocotte, j'ai renversé ma viande. Je rajoute du sel. J'ai pris une grosse cuillère à soupe de moutarde. Là, je vais rajouter un peu de poudre de gingembre. Une feuille de laurier. Une feuille de laurier, du poivre blanc, je vais activer mon feu puis poser ma casserole dessus. On va laisser tout ça là revenir tout doucement pendant environ 7 à 10 minutes. Là, j'ai rajouté un peu de paprika. J'ai rajouté de l'eau. On va couvrir puis laisser tout ça là cuire. Excusez-moi du bruit, je vis au bord de la voie principale, donc raison pour laquelle il y a trop de bruit là. Ici, la viande étant bien cuite, je vais la renverser dans ma plaque. Voilà, ici, j'ai deux produits, mon cococan et mon assaisonnement de viande. Pour débuter ici là, je vais assaisonner ma viande là avec mon assaisonnement de viande. Vous pouvez toutefois utiliser votre cocon, votre passe-partout, votre barbecue. On va bien mélanger le tout. Et ça s'en va au four pour 20 minutes à 180 degrés. Après les 20 minutes, on voit que la viande est bien dorée. Là, je vais rajouter ma mayonnaise. La quantité va dépendre de vous. Ici, je rajoute oignon et tomate. Vous pouvez rajouter du piment. Moi, j'ai préféré ne pas rajouter du piment. Là, j'ai rajouté juste un peu d'huile qui est vraiment facultative. Facultative. Une huile. Mais c'est facultatif. Mon chien. Ici, je vais
renverser le tout là dans mon papier de choucouya. Va très bien emballer, puis ça s'en va au four. Et là, c'est parti au four, hein. On a bien plié, c'est parti au four. Voici ma viande là qui ressort du four. Donc, on va dresser, on se dira tout à l'heure pour le résultat final. Ok, les amis, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dit à bye bye. Si vous avez bien remarqué, j'ai pas encore ajouté de piment. Donc, c'est après, je vais faire un petit piment fort à côté là. Donc, comme vous voyez là, j'ai rajouté des oignons, de la tomate, un peu de moutarde, de mayonnaise et puis mon cancan de côté. Là, là, on goûte, on fait comment? On fait 1, 2, 3, non? Et ça, là, même là. La manière les gens s'entendent attendre ça, là. La propriété, là. Attendez, je vais prendre un peu seulement pour goûter. Il y a tous les petits, petits morceaux, là, même pour manger. Tout ce qui est là, c'est gros, gros. La luminosité là vraiment ils sont en train de jouer avec comme ça. Mon Dieu. Le cancan là-haut. Assez que tu ne vas jamais, tu ne vas plus jamais acheter choucouya chez les gens là. Tiens, il faut essayer ça. Attends, j'ai petit morceau encore. C'est pas mieux. Je vais aller acheter viande pour reprendre la recette là. Est-ce que j'ai commencé là? On fait comment les amis? Regardez-moi en bas là. Ah. Un petit ici. Vous allez me mettre un problème où? C'est trop bon. On le voit. Moi, je suis fatiguée. Pas mal. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé de d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal. Les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement. La grosse boîte là est de 250, pardon, 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,